الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا الرحمة المهداة للعالمين صاحب الخلق العظيم وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الأكرمين أجمعين خصوصا منهم الأنصار والمهاجرين تابعين ومتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous cite ce verset que vous venez d'entendre en arabe où il est question d'hommes et de femmes qui ont confirmé le pacte avec Allah, qui n'ont jamais trahi le pacte avec Allah, qui sont des modèles pour toute l'humanité dans leur vertu, dans leur qualité, dans leur sincérité, dans leur quête de sens. اليوم احبتنا في الله نستنشق واياكم من نفحات مدرسه النبوه من جمال مدرسه النبوه من هؤلاء الذين صدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت سلمان الفارسي أحد أهل الصفة أحد أهل الصفة Aujourd'hui avec le récit d'un personnage d'un référent qui doit nous inspirer toutes et tous qui s'appelle Salman le Persan, qui a mérité d'être, par le hadith du prophète alayhi sallam, par l'annonce du prophète alayhi sallam, parmi les gens bénis de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors même qu'il n'est même pas Quraishi, il est Perse. Et il était parmi les gens du banc, sur lesquels il y a un verset coranique qui a été révélé. Alors, qui est cet homme et pourquoi il a eu ce privilège et cette station? Son récit est raconté par un autre compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas nous rapporte. قال Abdullah ibn Abbas. Vous voyez, يسمعوا من سلمان الفارسي. Donc, c'est Salman qui raconte son histoire, Abdullah ibn Abbas qui nous la rapporte. Le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Salman de raconter son histoire. Et on va comprendre la sagesse et les leçons. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à cet homme de raconter son histoire. L'histoire de sa quête de sens. L'histoire de son voyage initiatique. Al-Bahtu anil haqiqa. Al-Bahtu anil haqiqa. L'irsukul haqiqatan didaluna jami'an. Cette quête de sens doit nous inspirer toutes et tous. Qala Sidna Salman al-Farisi kuntu min Asbahan. Asbahan c'est une ville dans l'Iran actuel. Min qaryatin yuqalu laha Jay, un village qui s'appelait Jay. Wa kana abi dihqan, et mon père était un dihqan, c'est-à-dire un cheikh connu, reconnu, notable. Il a une importance et qui s'occupait de l'agriculture, il était l'expert, comme on dirait aujourd'hui, un ingénieur agronome. Et moi, disait-il, j'étais quelqu'un de très religieux et de très attaché à la religion de mes ancêtres, qui était malheureusement l'adoration du feu. حتى كنت قطن النار قطن النار أي خادمها حتى لا تخبو et donc j'ai été un gradé chez eux
au point que je suis devenu qatn, c'est-à-dire c'est un grade comme le curé, le prêtre, l'évêque, tellement je me suis impliqué chez mon peuple. Et je suis devenu le gardien du feu sacré, jour et nuit. Vous voyez le... Et donc, je suis resté comme ça, et mon père, un jour, il avait beaucoup de choses à faire, il m'a dit, tu vas t'occuper de mon terrain agricole, et moi, je suis aujourd'hui très occupé, tu vas t'en occuper. Et il dit... Ce jour-là, je suis passé par une église. J'ai entendu des gens prier. Et j'ai dit, mais ils ont une religion meilleure que la mienne. Je suis rentré chez eux, ils m'ont convaincu. Et j'ai dit cela à mon père. Mon père était fâché. Il m'a dit, c'est la religion des ancêtres, garde-la, qu'est-ce que tu es en train de faire, etc. Il a changé, Selman, il a changé, il est devenu chrétien. Son père, ça lui a déplu. Il l'a attaché. Offert, il disait de son père, mon père m'aimait beaucoup, au point qu'il voulait jamais me lâcher. J'étais avec lui tout le temps, il m'aimait plus que tout. Et lorsqu'il a appris ma conversion au christianisme, il m'a attaché parce qu'il m'aimait beaucoup. Selman dit, c'est ainsi que ces chrétiens de cette église de ma ville était inquiet pour moi, et moi, je voulais absolument m'enfuir. Et j'aurais demandé à ces gens-là s'il y avait une caravane qui passait par là. Ils m'ont dit, oui, il y a une caravane qui va passer tel jour, qui va au Cham, qui va en Syrie. Et il a dit, je me suis arrangé pour fuir mon père. J'ai voyagé avec cette première caravane, et j'ai atterri en Syrie. Chez un évêque. Cet évêque, c'est Osrof. Il était quelqu'un de très mauvais. Il mentait, il trichait, il volait. Il disait aux gens, donnez-moi l'aumône, donnez-moi votre or et vos bijoux. Et dès qu'il avait ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait pour lui. Il ne donnait pas aux pauvres. Et cet évêque est mort. Et les gens ont voulu lui faire un festin, l'honorer, tout ça. Il a dit non, c'est un homme mauvais, moi je connais ses secrets. Il leur a montré son trésor et les villageois étaient mécontents. Ils ont crucifié cet évêque qui était mort déjà. Et Selman a dit, ils ont mis à sa place un autre évêque qui était cette fois pieux et vertueux, sincère. Et donc il dit, je suis resté... chez cet deuxième évêque qui était Rajulun Salih, Zemanan Tawilan, un moment, des années, à apprendre de lui. Il donnait aux pauvres, il était un homme de bien, etc. etc. Et malheureusement, ce qui arrivait devait arriver, cet évêque-là devait mourir. Et avant de mourir, Selman, il a eu l'intelligence de lui dire, mais après toi, qui j'accompagne? Cherchez la compagnie. Il a dit, écoute, sur la religion de Jésus, la vraie, tu ne trouveras pas ici quelqu'un qui est sur ma voie, qui est sur cette voie de la vérité. Mais va à Mosul, en Irak. Il y a quelqu'un qui me connaît. Il connaît cette voie de droiture. Tu lui diras que tu viens de ma part. Et effectivement, Selman nous dit, je suis parti à Mosul. Et je suis ici resté là-bas des années encore, chez mon deuxième enseignant. C'est ce deuxième évêque qui a pris soin de moi et il était l'exemple de la vertu, l'exemple de la sincérité. Et avant de mourir, Selman lui pose la même question. Après toi, je vais vers qui? Qui peut m'accompagner? Qui peut m'aider dans mon chemin vers Allah? Dans ma connaissance, dans mon chemin initiatique, dans ma quête de sens? Il dit, écoute, il y a très peu de gens qui sont sur la vérité aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui est un Nasibin. C'est un peu plus loin vers l'Arabie. Il y a quelqu'un, un évêque, qui est sur la vérité, qui est resté sur la vérité, qui n'a pas déformé sa religion, qui n'a pas vendu sa religion à vil prix. Tu vas, tu lui dis que tu viens de ma part. Et il dit, je suis resté cet évêque
de ma Syrie, de cette région, plusieurs années, jusqu'à ce que la mort le surprenne. Et il a fait un testament pour son confrère, qui était cette fois à Amouriem Ibilad Rome, chez les Romains. Rome, pas dans la Byzance qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. D'accord ? Et donc, il s'est déplacé, encore un voyage, encore des difficultés, pour s'installer cette fois à Amouria, chez cet évêque, qui a pris soin de lui, qui était aussi l'exemple de la vertu. Et il dit, je suis resté tellement longtemps que je me suis fait du bétail, des vaches, des ovins, des bovins. Je me suis fait un peu de bétail. Et avant de mourir, cet évêque lui dit, écoute, il est venu le temps d'un prophète qui viendra chez les Arabes. Allah, zamanu nabi al-khatam, ala dini Ibrahim. Il est sur la religion d'Ibrahim. Muhajiruhu ila ardi harratayn. Harratayn, il y a une hijara, il lui donne les critères, les éléments qui peuvent l'aider. Et ce prophète, il va apparaître à tel endroit. Il lui donne les indications de cet endroit. Qu'il puisse savoir. Il lui dit, il y a des palmiers et il y a des roches volcaniques. وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَ. Il ne prend pas l'aumône. Il s'interdit l'aumône. وَيَأْكُلُ الْهَدِيَ. Il prend les cadeaux. وَبَيْنَ كَتِفِهِ خَتِ النُّبُوَ. Et entre ses épaules, il y a ce sceau de la prophétie. Cet indice. Donc voilà les indices qu'il lui donne. Et donc, Selman, il avait un peu d'argent, il avait ce bétail qu'on a dit. Il entend parler d'une caravane qui va à Wadi al-Qura, qui va vers l'endroit où il pense que ce prophète va apparaître. Cette caravane, elle faisait partie d'une tribu qui s'appelle Kelb. C'était des commerçants arabes. Il leur a donné tout ce qu'il possédait, les ovins, les bovins, et en contrepartie, il leur a dit, écoutez, moi, le prix. Je donne le prix fort pour que vous puissiez m'emmener à tel endroit. Malheureusement, quand ils sont arrivés à Wadi al-Qura, ces commerçants l'ont trahi. Ils ont pris tout son argent et ils l'ont pris lui-même. Ils l'ont vendu sur le marché. Ils l'ont vendu à un juif qu'il a installé à côté de Wadi al-Qura. Voilà comment s'est terminé le péril de Selman al-Farisi, ce jeune en soif de vérité, qui a été trahi, qui a subi tout ce qu'il a subi. Et ce juif l'a vendu à son cousin de Banu Qurayda, à Médine. Et il termine à Médine. Esclave chez ce personnage de Banu Qurayda. Et on va voir la suite, Inch'Allah Marhim, bi'idnillah, tout de suite après. Akhir al-Dawana, alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على سيدنا الرشيد وأليس المرسل حبسنا في الله دائما مع سيدنا سلمان الفارسي وبحثي على الحقيقة et donc il atterrit à Médine et il était sur en haut du palmier sur le palmier كان سلمان في رأسي عذق عنقود النخلة et il entend la discussion entre les juifs de Banu Qurayda, là qui dit à l'autre, خاتل الله بني قيلة والله إنهم لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم. Donc là, le prophète عليه الصلاة والسلام avait émigré de la Mecque vers Médine et il était en train, cette personne-là était en train d'insulter les gens qui ont suivi le prophète عليه الصلاة والسلام. Et il entend donc cette discussion. Donc il dit, quand j'ai entendu cela, j'étais sur le haut du palmier, je commence à trembler. Juste parce que j'ai entendu le nom de ce prophète, je commence à trembler. Et j'ai failli tomber sur mon maître. Qala akhadatni al-urwa ay ar-ra'dah wa al-intifad hatta dhanantu anni sa'asqut 'ala sayyidi. Et quand il est descendu, il demande à ces personnes-là, vous l'avez vu où? À quoi il ressemble? Et là son maître l'a giflé très fort. Il lui a dit,
reviens à ta place. Même les esclaves vont maintenant le suivre. C'est quoi ça? Et donc, Sidnes el Malfer ici, sachant que ce qu'il cherche est là, eh bien, il prend ce qu'il a pu prendre comme date ou autre, il va s'assurer qu'il s'agit bien du dernier messager. Et il se présente à Sidna Mohamed Salma, il était à Quba. Il vient le voir, il lui offre un cadeau. Il lui offre, pardon, une aumône. Il lui dit, je vois avec toi des gens très pauvres, voici une aumône pour toi et pour tes amis. Le prophète, alayhi salam, il dit à ses compagnons, mangez, et lui, il ne mange pas. Parce que c'est une aumône. Il dit, hadihi wahida. Voilà une. Comme il était esclave, il devait revenir. Il est revenu chez son maître et il rebelote. Il revient la deuxième fois avec un autre cadeau. Cette fois, non pas en aumône, mais en cadeau à Sidna Mohamed Salma. Et Sidna Mohamed Salma accepte son cadeau. Il dit, voilà la deuxième. Sidna Mohamed Salma, il était à Baqi al-Ghataq. Baqi al-Ghataq, yasba'u janazata ahad ashabi. Là où, effectivement, il y a le cimetière à Médine, c'est là où le prophète, cette fois, il était. Maqbaratu al-Médine. Et le prophète, alayhi salam, il remarque que c'est le même tourne autour de lui. Tourne autour de lui sans cesse, comme ça. Le prophète, alayhi salam, a compris qu'il cherchait le sceau de la prophétie. Alqa, sallallahu alayhi salam, al-ida'a wa al-dari. Et il enlève son habit comme ça sur son dos. Et là, c'est Ibn Asim al-Farisi, il n'en peut plus. De joie, il fond en larmes et aqbala ala rasul ibn Islama yuqabbiluhu wa yabki. Il embrasse le prophète alayhi salam et il pleure. Et le prophète alayhi salam le fait asseoir auprès de ses compagnons. Il lui demande de raconter son histoire. Il appelle tous ses compagnons, il raconte son histoire aux humains qui nous vient aussi loin. Heureusement, il savait. Et Salman, il a dit, Fatatni Badrun wa Uhud, min ajli al-raq. Et j'ai raté, nous dit Salman, la bataille de Badr et la bataille de Uhud parce que j'étais encore esclave chez les maîtres. Ces maîtres juifs de Banu Qurayza. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam m'a demandé Mukataba. Il m'a dit, oh Salman, fais le Mukataba. C'est-à-dire, à l'époque, en fait, et ça, c'est une preuve irréfutable que le prophète Hassan a respecté les lois en vigueur, respecté les pactes. Il dit, va proposer à ton maître de que tu t'auto-rachètes, c'est-à-dire que tu travailles pour lui, que tu lui donnes quelque chose, et lui, en contrepartie, il te libère. Il va négocier avec son maître. Son maître lui impose 300 palmiers et 40 orqiyas, 40 mesures d'or, pour pouvoir se racheter. Le prophète alayhi salam a demandé à tous ses compagnons d'aider Salman, de ramener quelque chose, de ramener un petit palmier à planter, etc. Et il dit à Salman, ne plante rien jusqu'à ce que j'arrive. Ne plante rien jusqu'à ce que j'arrive. Et quand les palmiers ont atteint l'âge, le prophète il les a touchés. Par la bénédiction, Salman a dit, les 300 ont été là, grâce à la bénédiction du prophète. Et il lui restait les 40 uqiyas en or. Le prophète, une fois, on lui a donné baïda, un œuf d'or, qui arrivait en cadeau chez le prophète, en donation. Il le donne à Salman. Salman lui dit, mais c'est très peu, c'est pas 40 au messager d'Allah. Il dit, vas-y, demande-leur de la peser et tu verras. Et wallah, Salman jure, il dit, par Allah, ils l'ont pesé, ils ont trouvé exactement le poids de 40 uqiyas. Et j'étais libre. J'étais enfin libre, nous dit Sidna Salman, le faire ici, radiyallahu anhu arda. Le prophète, alayhi salam, va le fraterniser avec Abu Darda. On a un grand hadith à ce sujet avec Abu Darda. Et Sidna Salman, le faire ici, il va être gouverneur de Madain, l'une des plus grandes villes de la Perse quand elle va être conquise. Et il va mourir en 36 de l'Égypte, à l'époque de Sidna Salman ibn Affan. À l'époque, il touchait à peu près 5000 dirhams que les compagnons lui donnaient pour son gouvernorat. Et il donnait tout ça aux pauvres. Il n'a rien laissé pour lui-même. Donc vous voyez cette synthèse de cette série magnifique, de ce personnage incroyable.
Il a fait tout ce chemin, toutes ces années de quête de sens, pour rencontrer la vérité. Pour, alhamdoulilah, s'abreuver de l'amour du prophète, de suivre le prophète, malgré le fait qu'il était chez lui, en Perse, un notable, malgré qu'il ne manquait de rien chez lui. Eh bien, il a fait le choix de tout laisser, de prendre des risques, parfois au prix de sa vie. Il a fini en esclave. Et il a terminé en libre, honorable, et parmi les référents. Et il mérita ainsi ce qualificatif de personnes qui font partie de la maison, de la noble maison du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le même minna. Et on voit ici comment le prophète alayhi salatu wassalam respectait les lois en vigueur. Il n'a pas dit à Salman, non mais rebelle-toi, va-t'en. Non. Il a laissé les choses se dérouler de la façon la plus normale, la plus pacifique possible. Et Salman a participé à Al-Khandaq. Il fut le héros de Al-Khandaq, là où il a demandé de creuser des fossés parce qu'il voyait l'armée perse faire la même chose. Et Sidna Salman était un personnage principal dans la da'wa. Que ce soit avec le prophète à Médine ou après chez lui à Médine, comme je vous ai dit, il a vécu une vie d'ascète, une vie de détachement de la dunya, et il était l'exemple de l'abnégation, de l'amour du prophète à et de zuhd, du détachement de ce qui n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma ij'alna min ulama'il 'amilin, Allahumma ya arham rahimina rabbil 'alamin, ij'alna 'ala nahj هذا العظماء هذا الأخيار جعلنا على نهجهم مقتدين مهتدين كالله تبارك وتعالى affermi nos cœurs dans sa religion كالله تبارك وتعالى nous épargne toute épreuve et notamment l'épreuve dans notre religion لما نجعل مصيبتنا في ديننا ولا نجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا هذا وقت من الصلاة والسليم على مكسرة الصلاة والسلام عليه تحت الأزار وتنال بنج الأبرار إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم وحمدكم